pour les croyants. On vous a prescrit à Siam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi, atteindrez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah. Quant à celui qui dit à ses pères et mères, « Fille de vous deux, me promettez-vous qu'on me fera sortir de terre alors que des générations avant moi ont passé ?» Et les deux, implorant le secours d'Allah, lui dirent, « Malheur à toi, crois, car la promesse d'Allah est véridique. » Mais il répond, « Ce ne sont que des contes d'anciens, ce sont ceux-là qui ont mérité la sentence prescrite en même temps que des communautés déjà passées avant eux parmi les djinns et les hommes. Ils étaient réellement perdants. » Allah fait alterner la nuit et le jour. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur deux pattes, et d'autres encore marchent sur quatre. Allah crée ce qu'il veut, et Allah est omnipotent. Nous avons certes fait descendre des versets explicites, et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile, auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Rien vraiment ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices, comme il veut. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Dis, parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant. La plupart d'entre eux étaient des associateurs. Dirige tout ton être vers la religion de droiture, avant que ne vienne d'Allah un jour qu'on ne peut repousser. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, « Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution ? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient,
tout en négligeant et retardant leur salat, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin.